Rassemblement général sur la place du Calvasie. Le rituel commence à s'installer. C'est la deuxième édition de ce défi sportif initié par l'association Noupa Save. Allez, c'est parti pour 13 km de marche intense dans plusieurs quartiers du Lamantin. Pas de code vestimentaire imposé, il faut juste être vu dans la rue. Ce n'est pas un vidé, insistent les organisateurs. Et pourtant, l'esprit du carnaval est là. Après Bois d'Inde et Acajou, c'est le centre-bourg que les quelques milliers de marathoniens traversent. Ils sont en mode déboulé. Un constat, certains novices sont largués, ils sont distancés. Non, ne sont pas fatigués du tout. Vous avez perdu le train là? Non, parce que j'ai rencontré des amis, je me suis arrêté. Et je ne sais pas de me couillonner. Hein. Je ne suis pas fatigué du tout. Ouais, en fait, je suis mort. Je fonctionne à l'orgueil là. Vous arrêtez là? Non, je continue. Et là, vous faites quoi? Vous les suivez ou pas? Bon, on les suit. Mais ils sont où? Plus que quelques petits kilomètres à parcourir. Allez, on ne lâche rien. La gare routière de Petit Manoir, c'est juste une petite pause de quelques minutes. C'était fatigant. Surtout la montée de Bois d'Inde, c'était crevant. Est-ce que vous êtes entraîné pour faire ça? Parce que 13 km, c'est beaucoup, hein? Du tout. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas marché, donc je ne sais pas. Demain, je ne sais pas comment je serai. À votre avis, il y a plus de monde que l'année dernière? Oui, il y en a plus, nettement plus. On récupère des gens sur la route, comme vous avez vu depuis Bois d'Inde. On récupère des gens comme ça, à Calvasier. À Petit Manoir, on en a récupéré encore. Et je pense qu'à Place d'Armes aussi, ça sera pareil. C'est une masse populaire. Il y a plus de 2000 personnes. Une vraie marée humaine. Aucun doute, le ton du carnaval 2019 est donné.